Ces travailleurs mexicains viennent ici depuis plusieurs années pour aider aux récoltes sur les fermes maraîchères. Il arrive parfois qu'ils découvrent une bien drôle d'excroissance sur les épis, qui peut en rebuter plusieurs, mais qui représente une denrée très recherchée chez eux. Le huitlacoche, c'est les champignons qui viennent du maïs. Ça vient dans la saison des pluies. Le huitlacoche, ou charbon du maïs, est un parasite qui transforme les grains et leur donne une apparence pas très appétissante. Et pourtant... Au Mexique, on l'appelle... C'est comme le caviar. Ah, ouais. C'est vraiment la truffe mexicaine aussi, on l'appelle. C'est un goût délicieux. Ça goûte un peu comme la terre. Vraiment, c'est noir. Ça a l'air comme la terre. Ça a l'air pas vraiment bon, mais quand tu les goûtes, tous les saveurs, c'est incroyable. On met un peu d'huile. Maureen Arellano est chef et traiteur à Montréal. Cuisiner le huitlacoche est une fierté pour elle. Quand j'étais petite, mes parents me donnaient à goûter le huitlacoche et c'était incroyable. Et après ça, je le mangeais souvent à chaque fois que j'étais au restaurant ou sur le street food. Bon, ici, on va commencer à faire les quesadillas. Elle nous propose plusieurs variations typiques de plats avec le huitlacoche. On va faire une quesadilla typique, vraiment bon, avec le queso Oaxaca. Et on va faire une salsa verde pour la quesadilla. Si ça sent piquant, c'est piquant. Alors ça, c'est le huitlacoche qui vient en conserve. On va mettre sur la quesadilla et on va chauffer le huitlacoche et le fromage tout en même temps. L'idée, c'est toujours de faire quelque chose qui n'a pas beaucoup de saveur pour toujours goûter le huitlacoche. Et toujours sans viande, c'est meilleur, parce que le huitlacoche a beaucoup, beaucoup de protéines. Alors, c'est fondu, c'est prêt, c'est le beau, hein? Ah, ouais. C'est le goût de la terre. C'est pas un goût fort. On peut pas dire que ça goûte le champignon. C'est un peu dur à définir. Visuellement, là, je me disais, oh boy. Mm-hmm. Mais non. Non, c'est délicieux. Je comprends pourquoi les Mexicains aiment ça. Très bon. Muchas gracias. La cuisine mexicaine s'inspire aussi de la cuisine française. Dans les restaurants mexicains, tu vas trouver beaucoup de crêpes. La crêpe, on la va farcir avec le huitlacoche. La sauce, ça va être le chile poblano avec un peu d'oignon et crème, un peu de lait. Bon, on va sauter le huitlacoche, mais il ne faut pas sauter trop longtemps. Il faut le garder le plus frais possible. Et le maïs, on va mettre en même temps. Tu mets le huitlacoche. Ici, tu peux décider si tu veux mettre des autres choses. Comme salsa dessus. Comme ça, un peu. Ouais. Bonne dégustation. Crêpe avec le huitlacoche. Sauce au poblano. C'est muy bueno. Muy bueno. Prochaine recette, ça va être le huarache. C'est une pâte qui est faite avec quoi? C'est la farine de maïs. Bon, on va mettre le huitlacoche dans la crème fraîche, comme garniture. Crème au huitlacoche du Québec. On va mettre les haricots et un peu de maïs. On est sur une ferme en Montérégie. Comme beaucoup de fermes au Québec, on accueille des travailleurs étrangers ici. Il y a beaucoup de Mexicains, alors on les a invités à venir prendre une petite bouchée. Bienvenidos a la hora de la comida! Une surprise bien appréciée par les compatriotes de Maori. Les préparé unos huaraches con una crema de huitlacoche de aquí de Québec. Y tiene también el maíz de aquí, los frijoles y todo. También hice unas quesadillas de huitlacoche. Hice unas crepas también con una salsa de poblano. Dans ton travail de chef et de traiteur, tu essaies de convaincre les agriculteurs de ne pas jeter les fameux épis sur lesquels on a du huitlacoche. Oui, c'est ça. Tous les fermiers que je parlais avec me disent non, ça c'est la compost. Et on a commencé un peu la conversation de OK, arrête ça, vend ça au chef. Il y a beaucoup de chefs mexicains à Montréal qui sont intéressés à utiliser les produits locaux, mais il faut trouver un marché plus établi pour trouver un bon prix. Dans un champ de maïs, c'est un épi sur 100. Trouver quelqu'un qui va les chercher, qui vous les apporte, qui vous les vend. Oui, c'est ça. C'est pas facile, c'est sûr. Maureen Arellano espère vivement faire apprécier et découvrir ce champignon particulier aux Québécois. Oui,